Bonjour, c'est encore. On est le 22 juin 2021. Alors, je vais sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Alors, peut-on éviter d'être séduit? Amen. Peut-on éviter? Puisque notre Seigneur, à travers la bouche de l'apôtre Paul, a dit. Il viendra un temps où les gens seront vraiment conduits, amen, par la séduction. Ce sera la marque d'une époque, d'une génération, amen. Ça sera, au fait, ce qui identifiera le peuple de la fin. Alors, on est dans ce temps-là. Et le Seigneur nous a mis en garde. Nous disant, quand les disciples lui ont demandé, mais comment, quand cela va venir, ce temps de la fin, et puis comment allaient-ils reconnaître, comment vont-ils reconnaître cela? Amen. Jésus leur a dit, prenez garde, Matthieu 24, le verset 4, que nul ne vous séduise. Amen. Et on sait tous que si tu es séduit, mais c'est fini. Tu es déjà conduit hors combat. Amen. Une personne qui est séduite, elle n'est plus là quand on donne l'appel des participants. Elle a déjà été séduite. Elle n'est plus dans la course, hors circuit. Amen. Mais quand on n'est pas séduit, on continue encore de courir. Et une fois qu'on est séduit, amen, on peut continuer de courir. Mais en fait, on est déjà hors circuit. C'est ça l'histoire. Tu peux continuer à ton avis de courir, mais Dieu sait. Déjà que tu es hors circuit. Alors le secret, c'est de ne pas te séduire. Alors, on peut prendre l'exemple de Ésaü et de Jacob. C'est un exemple simple. Un exemple qui pointe la séduction. Une séduction due à la faim d'Ésaü. Et juste parce qu'il a mangé. Pour combler sa faim, il a été déclaré hors circuit. Parce que les propos qui sont sortis de sa bouche étaient des propos de mépris vis-à-vis de celui-là qu'il avait créé. Alors, pour un rien, on peut te séduire. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, il a dit aux disciples, il dit, écoutez, vous parlez de la faim, vous voulez savoir quand est-ce que ça va arriver, mais premier point, que nul ne vous séduise. Alors, la séduction, elle est d'appoint. Amen, dans notre temps. Comment éviter? Oui, on lit la Bible. Oui, on prie. Amen. Et puis aussi, on a des éléments. Excusez-moi. Et puis aussi, on a peut-être des petites balises. Nous montrant que ah, ici c'est dangereux, fais attention. Mais comment éviter, par exemple, d'être séduit? Alors, de Timothée 2, le verset 21 à 26, nous dit ceci. De Timothée 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Amen. Et ça dit, et invoque le Seigneur d'un cœur pur. Attendez. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les discussions futiles, évite-les. Même si l'autre devant toi est blessé, évite les discussions futiles. Elles ouvrent la porte, amen, à
aller contre ce que Dieu veut. Alors c'est dit, il ne faudrait pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué à la patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu lui donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est des pièges. Le diable met des pièges devant nous. Amen. Et par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu nous dit les querelles, les disputes, les discussions folles. Amen. Tout cela, c'est de la distraction, ce sont des terrains propices pour la séduction. Nous sommes donc appelés, amen, à fuir ces choses-là, à les éviter au maximum. Autre élément, Colossiens 1. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. On doit demeurer fondé, inébranlable dans l'évangile de Jésus. Pas fondé et inébranlable dans une doctrine dite chrétienne. Non, non, non. Pas fondé, inébranlable dans la doctrine d'une dénomination. Non, non, non. Fondé et inébranlable, amen, dans, sans se détourner, amen, de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Mais ce qui a apporté l'évangile, c'est Jésus. C'est son évangile. On doit rester fidèle, inébranlable à son évangile. Autrement, on est déjà séduit et on croit être dans la vérité. Excusez-moi, je suis assez congestionné. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Notre Seigneur, voilà ce qu'il a trouvé bon de faire pour qu'on soit réconcilié. Dieu le Père, Dieu le Fils. En retour, nous devons demeurer inébranlables sur ce que Dieu a établi. Nous sommes appelés à ne pas nous détourner. Amen. De l'espérance de l'évangile. Tout un appel, tout un travail. Et c'est à nous de faire des choix, d'étudier la parole et de nous assurer que notre compréhension du texte nous est révélée par le Saint-Esprit et non par une pensée humaine. Parce que ce qui nous détourne, amen, c'est le faux, notre Dieu étant la vérité. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi. C'est suffisant pour que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Pour que tu ne tombes pas dans une séduction. Parce que Christ est en toi, parce que la lumière est en toi, la vérité est en toi. Parce que le Créateur de tout l'univers est en toi.
c'est suffisant pour que tu ne sois pas détourné de la vérité. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est le mystère caché en tout temps. Ça veut dire que toi et moi, tous les jours, devons travailler à avoir le plus de quantité de Christ en nous. Comme si c'était de l'eau. Petite dose de Christ, petite dose de gloire. Grande dose de Christ, grande dose de gloire. Et toi et moi sommes appelés à enregistrer ou bien à s'imbiber de sa présence à tous les jours de telle sorte que si quelqu'un venait nous parler, on serait quand même en train de l'écouter et puis en train de dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Ça, c'est l'esprit de vérité en nous. Éphésiens 5. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Les vains discours. On est dans un temps où il faut discourir. Les gens, ils disent n'importe quoi. Ils viennent, ils se tiennent là, ils disent n'importe quoi. Et puis souvent, tu t'arrêtes, tu les écoutes, tu dis, mais est-ce qu'ils ont bien entendu ce qu'ils ont dit? Ou bien tu écoutes quelqu'un, quand il a fini de dire, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a dit au fait? Souvent, il n'a rien dit, il a juste aligné des mots. Et puis finalement, les gens applaudissent. Mais dans le fond, la personne n'a rien dit. Parce il faudrait souvent s'arrêter, aller en profondeur pour dire, ah, de quoi il parle? Alors les discours, par même le conseil que le Seigneur nous donne, sont là tout simplement pour nous détourner, pour nous faire croire que bon, il y a quelque chose de si important qui est là, alors que dans le fond, c'est les paroles vaines. Pourquoi? Parce que la parole qui a le droit d'être parlée, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est dans la Bible. Ce n'est pas toute la parole, mais on a déjà une bonne partie qui est là. Alors nous sommes appelés à propager la parole de Dieu et non à propager les discours qui ne relèvent pas du Père. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Nous sommes appelés à marcher comme les enfants de lumière, c'est-à-dire marcher dans la vérité, loin des mensonges, marcher en obéissant aux 10 commandements, marcher en mettant en pratique ce que Dieu a dit, ne pas se borner juste à lire la parole de Dieu, à l'écouter, mais faire du pratico-pratique. Ne pas se détourner comme si on n'avait pas entendu. Ou bien dire que l'Ancien Testament, c'est pour l'Ancien Temps et le Nouveau Testament, c'est pour nous autres. Non! Si on se comporte comme ça, comme un élève assidu, amen, les personnes aptes à séduire les autres ne nous impressionneront pas. On regardera, on va juste dire, ah, c'est quelle qualité c'est encore. Par contre, si on ne lisait pas sa parole, amen, alors oui, on peut facilement tomber. Et quand même on lit, souvent on tombe dans les pièges des séducteurs. À combien plus forte raison, hein, quand on ne lit pas sa parole? Il est très important qu'on puisse pratiquer la lecture, mais aussi la mise en pratique. La lecture, et puis effectivement, la mise en pratique de ce qu'on a lu, nous assurant qu'on a bien compris la leçon. Philippiens 3, 17 à 21. Philippiens 3, 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajouter, de s'assujettir toutes choses. Notre cité à nous est dans les cieux. La fin de telle personne qui ne pense qu'aux choses de la terre, c'est leur perdition. Et marchant, pensant aux choses de la terre, c'est marcher en ennemi de la croix. Et toi et moi devons éviter sur cette route-là et de marcher avec les gens qui marchent sur cette route-là. Non seulement devons-nous éviter cette route, mais ne tenons compagnon à personne qui marche sur cette route-là. Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu aimerait pour nous. Marcher sur cette route des choses de ce monde, c'est marcher contraire à ce que Jésus-Christ attend de nous. Plusieurs marchent en ennemi de la croix et leur fin, ce sera la perdition. Leur fin, ce sera la perdition. Mais toi et moi devons marcher comme Paul a marché, imitant Christ, nous devons marcher comme ça, afin que toute séduction soit bannie de notre vie. On doit marcher comme ça, avec la capacité de pouvoir les détecter à tout moment. Quand on les détecte, on les chasse, on ne les laisse pas germer. On ne laisse pas une pensée prendre racine. Une pensée contraire à ce que Jésus-Christ attend, on ne la laisse pas prendre racine. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Si du moins, vous êtes fondés et inébranlables. Colossiens 2, 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur les rudiments du monde, on est appelé à faire attention à tout moment avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on vit. À tout moment, on doit repousser, refuter, rejeter, afin de rester proche du Seigneur. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Colossiens 2, le verset 4. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Prenons garde, prenons garde, prenons garde. Ça veut dire que nous devons être aux aguets. Parce que la séduction, elle est partout. Elle peut venir directement de la personne la plus proche de nous. Elle peut venir de notre supérieur. Elle peut venir partout. Même souvent, elle peut venir alors que l'autre personne n'avait pas tellement l'intention de nous séduire, mais elle est venue quand même, la séduction. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu es conduit hors du circuit. Le verset 23.
Colossiens 1, le verset 23, ça nous dit: si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Le secret est là. Fondé, inébranlable. Jésus a dit quoi? La maison bâtie sur le roc avait un fondement solide. Le vent est venu, la maison n'est pas tombée. Son fondement était solide. La maison bâtie sur le sable s'est écroulée dès qu'il y a un petit vent. Le vent soufflera. Et on est dans le temps où le vent souffle, il y a des tornades, il y a toutes sortes de situations vraiment difficiles. Mais celui-là qui est fondé dans la parole et inébranlable, amen, et qui demeure inébranlable, amen, sans se détourner de la parole de Dieu, amen, celui-là arrivera jusqu'au bout. Il est question d'arriver. Il n'est pas question de venir démontrer que ouais, si c'est pas vrai, puis c'est ça. Il est question d'arriver. Et Jésus-Christ nous donne les astuces pour pouvoir arriver. Amos 5, 12 à 17. Excusez-moi, hein. Amos 5, 10 à, Amos 5, 12 à 17, excusez. Amos 5, 12 à 17. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Pardon. Comme vous le dites, haïssez le mal, aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Est-ce que l'Éternel te passera au milieu de nous sur la terre? Il dit, tout le monde se lamentera lorsque sera en train de passer au milieu de toi. Mais est-ce que l'Éternel te passera au milieu de nous? Mais oui, il est en train de passer. On vit toutes sortes de situations. Et on peut avoir l'audace de dire, tel a fait ceci, c'est tel qui a fait c'est tel. Mais Dieu le permet. Pourquoi? Pour pouvoir épurer ses enfants. On est dans le temps de la récolte, on est dans le temps de la moisson. Et Dieu dit, il dit, c'est pourquoi ici par l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel passe, pourquoi? Pour donner la récompense à chacun. Il passe pour juger. À l'un, il donnera une bénédiction, à l'autre, il frappera. Amen. De la conséquence de ses actes. Voilà où nous sommes. Et il est important, amen, de pouvoir tout faire. Alors, l'atout pour éviter le chemin de la séduction. Alors, on a vu que la séduction elle est partout. Tu peux être chez toi, l'autre peut venir te séduire. Tu peux sortir, tu trouves la séduction là-bas. Donc, tout repose sur tes principes de vie, ta décision
de demeurer ferme dans la parole de Dieu. On l'a vu dans Colossiens 1, le verset 20 à 23. Je viens nous encourager à éviter les voies faciles. On ne peut pas s'empêcher d'être séduit, on ne peut pas. Mais on peut travailler d'arrache-pied pour ne pas tomber sur les pieds dans les pieds de la séduction. On peut travailler d'arrache-pied. Deutéronome 5, le verset 32 à 33 nous dit ceci. Attendez, Osée 4 d'abord. Osée 4 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Je vais aussi rejeter tes enfants. On peut s'arrêter pour dire, mais de quelle connaissance? Dieu parle de la connaissance de sa parole. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à étudier la parole scrupuleusement. Avec une loupe. Et voir si ce qu'on lit, ça va en accord avec la pensée de Dieu. Ce n'est plus le temps où on doit se compromettre. Ce n'est plus le temps où on doit aller dans une direction pour satisfaire les êtres humains. Non, 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 non. Il y a une seule personne qui mérite notre satisfaction et c'est notre Dieu. Deutéronome 5, 32 à 33. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Voilà la clé, voilà le secret pour ne pas tomber dans la séduction. Quelqu'un peut venir nous séduire, mais parce qu'on a décidé de rester ferme au Seigneur, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, l'Esprit de Dieu en nous, ce témoin est là. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous enverra des signaux pour nous dire que ici, on est dans une situation de séduction. Ou bien on a en face de nous un charlatan. Ou bien on a en face de nous quelqu'un au fait qui raconte des balivernes. Vraiment, c'est Christ en nous qui nous allumera. Et souvent même, on peut tellement être séduit et que quand l'autre veut ouvrir nos yeux, on refuse, on conteste, on est vraiment, on discute. Tellement, on est convaincu que c'est l'autre qui est dans le faux. Ça arrive. Mais le Seigneur nous dit, on ne doit pas laisser, amen, le piège de la séduction nous engloutir. C'est à nous, amen, alléluia, de pouvoir détecter les différentes tactiques, amen, et de réaliser que, oups, on dirait que j'ai en face de moi une situation de séduction, hein, Seigneur, aide-moi à sortir le pied de là. Toi et moi, voulant arriver au bout là-bas avec Jésus, amen, nous sommes appelés à travailler. La paresse nous empêchera d'arriver. Je vous dis, mes frères et sœurs, la paresse est un véritable blocus, une véritable barrière. Laissons aller tout ce qui est paresse. Laissons aller la procrastination. Laissons ces choses aller. Et venons devant l'Éternel avec crainte et tremblement. Faisons un programme. Venons à tout moment devant lui. Et il nous aidera à prier sans cesse. Il nous aidera à détecter les mauvais éléments. Parce que les mauvais éléments, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour ternir la récolte. Ils sont là pour nous empêcher d'être récoltés. Mais le véritable enfant de Dieu, amen, travaille tout le temps pour faire plaisir à son Père. Alors, on ne peut pas éviter d'être séduit, mais on peut éviter de marcher sur le chemin de la séduction. Et cela requiert beaucoup de discernement, beaucoup de concentration. Amen. Cela requiert qu'on puisse savoir que, hop, ici, je suis en situation de séduction.
Une fois que tu sais, tu vas sortir ton pied. Mais si tu ne sais pas, tu seras séduit. Alors, il est donc très très important qu'on travaille de manière à connaître ceux-là avec qui on évolue. Amen. Et une fois qu'on connaît, il faut aussi, c'est important de connaître sa faiblesse. Et une fois qu'on connaît, on sait toutes ces choses-là, c'est de travailler pour que la chair ne nous emporte pas. Mais que, professant la vérité, la charité, on puisse continuer, amen, de louer notre Dieu, de le célébrer, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.